Bienvenue sur Thé Éternel, toujours en ce dimanche 5 août pour le bientôt 23 h. Je pourrais l'envoyer que demain parce que ici j'ai pas de connexion. J'ai pas de clé web, pas personne. Bienvenue dans le cimetière des caméscopes, des caméras flinguées. Peut-être que celle-là marche encore. Ici, si je fouille bien, il doit y en avoir 5-6. Plus les 4 que j'ai laissés au bled, parce qu'à chaque fois j'avais pas de sous, je revendais tout pour revenir. J'ai tout claqué mon pognon là-bas, même celui que j'avais pas. Pour aller chercher ma Vierge Marie. Si tu veux. Il y en avait un Sony, je le regrette, parce qu'avec la position in headshot, putain, quand tu filmais des bonnes femmes en short ou quoi, tu leur voyais directement le cul, quoi. Il avait été interdit à la vente, c'était le Sony Magic. Bref, on s'en fout. Donc toujours en ce dimanche 5, dernier jour de la semaine, en missile solaire, un lien tertiel, c'était moi, qui est de 10, qui a bien du mal à porter sa croix. C'est le grand-père Douai, là, 96 ans, 2008, il m'a dit, ah t'es un Christ, bah, porte donc ta croix. Bon, pourquoi il me dit ça le vieux? Il avait fait un arbre généalogique qui remontait vers les 1500 et quelques. Le mec, 96 ans, jamais bu une goutte d'alcool, jamais fumé une clope, le mec toujours clean. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Il a tout cherché dans les diocèses, les machins et tout. Il a passé sa vie à laisser son arbre généalogique. Tu vois? Ça va être dur à vous révolter. Vous voulez pas changer d'air, vous voulez pas qu'il y ait la paix sur Terre. Un gouverneur vrai, des médicaments vrais, une armée pour désarmer les armées. Bon. T'as des gens qui sont payés pour contrôler les gens. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour contrôler les gens qui contrôlent les gens? Tu vois le truc? Administratif, tout ça. À chaque fois qu'il y a un nouvel élu, qu'est-ce qu'il sait faire ton fils? Rien. Bon, bah, on va le mettre à la mairie. Comme ça que ça marche. La politique de l'autruche, la tête dans le sable et le cul en l'air. Sur les yachts à partout à Saint-Trope, là. Putain. Ouais, ils doivent être écoulés, les 93 kilos du quai des Orfèvres. Hein? Arrive. Enfin bref, c'était pour clôturer le dimanche. Ouais, ça y est, c'est 22 h 32. Moi, j'ai même pas la colère. Je suis super long à la colère. De toute façon, faut pas que je sois en colère. Chaque fois, il y a des éruptions, des tremblements de terre et des machins. Comment je vais vous dire? Regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. Les mondains à partout, là, il y en a marre. On me fait une petite piscine apparente, parce que sinon, c'est trop cher. Pour moi, pour un con. Allez, va. Macron en boîte, sauce Rothschild. Je te pisse à l'arrêt, toi et ton gouvernement. À la limite, en tant que ministre de l'Extérieur, je parlerai bien à Nicolas Bulot. Tu vois? Au nom de Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle. Mais pas du diable, directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. Chaque nouvelle application, c'est une application en moins pour la tête. Vous voulez tout simplifier jusqu'à devenir complètement débile? Vous ne voulez pas penser par votre tête? Vous ne voulez pas éteindre cette putain de télé de merde? Ça fait des ravages, c'est du Barjavel. Bon, ben voilà, je vais envoyer un peu de films. Ça, c'est la dernière caméra qui marche. C'est le Sony de Luc. Bon, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bouton. Je sais pas ce que tu fais. Tant qu'il y a le bouton rouge, c'est que ça filme. Tu vois pas ce que tu fais, tu sais pas trop. Tu t'en branles.
L'histoire, elle n'est pas là. Eh, les histrions, là. Soyez un peu l'acteur de vos vies. Prenez conscience, prenez subconscience de ce qui se passe sur cette putain de planète où l'homme est en train de tout bousiller. Ou alors, c'est pas des hommes. C'est des incarnés, mais c'est comme un ongle incarné, ça fait mal. Numérique sa mère, normalisateur. Normalisable, formidable, formatable, fait de conditionnable. Bande de cons, dernière sommation.